Son Excellence, M. Hichem Mchichi, président du gouvernement de la République tunisienne, M. Mohamed Boussaïd, ministre du Commerce et du Développement de l'Exportation, Son Excellence, Mme Chiliché Kapouépué, secrétaire générale du COMESA, Son Excellence, l'ambassadeur Albert Mouchanga, commissaire pour le commerce et l'industrie auprès de l'Union africaine, M. Chiheb Ben Ahmed, président directeur général du Centre pour la promotion des exportations, Madame Kerima Bounemra, directrice de l'Institut africain pour le développement économique et de planification, Madame Lisa Menoucha, chef de projet promotion des activités d'export, créatrice d'emplois vers de nouveaux marchés africains de l'Agence de coopération technique, la GIZ. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le plus grand événement en ligne qui promeut le business sur notre continent. Bienvenue dans Tunisia Africa e-Business Meetings. Il m'est un plaisir et un honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour le lancement de cet événement si important pour rapprocher davantage les frères africains et pour promouvoir l'échange de services et de marchandises entre nos pays respectifs. Les différentes intégrations économiques régionales, qu'elles soient de l'Est ou de l'Ouest africain, ont beaucoup contribué à faire avancer les choses malgré une plateforme logistique appelée à être améliorée. La crise du Covid qui a touché tous nos pays sans exception en mettant à mal nos économies s'est avérée être une opportunité pour faire du business et votre engouement pour Tunisia Africa e-Business Meetings est une preuve de plus pour l'intérêt à promouvoir les échanges interafricains. Étant en présence d'opérateurs économiques, de journalistes et de décideurs, parlant aussi bien le français que l'anglais, j'essaierai d'alterner les deux langues pour une meilleure compréhension des interventions. Une traduction est par ailleurs prévue par les organisateurs pour un meilleur accès à l'information. Encore une fois, bienvenue parmi nous et je vous souhaite de trouver dans Tunisia Africa e-Business Meetings l'opportunité de faire du business. His Excellency Mr. Hichem Mchichi, the President of the Government of Tunisia. Mr. Mohamed Boussaïd, the Minister of Trade and Export Development. Her Excellency Mrs. Chiliché Kapouépué, Secretary General of the COMESA. His Excellency Ambassador Albert Mchanga, Commissioner Trade and Industry, African Union. Mr. Chiheb Ben Ahmed, CEO of the Tunisian Export Promotion Center. Mrs. Karima Bounemra, Director of the African Institute of Economic Development and Planning. Mrs. Lisa Menoucha, representative of GIZ. Ladies and gentlemen, welcome to the biggest online evening promoting business on our continent. Welcome to Tunisia Africa e-Business Meetings. It is a pleasure and an honor to be with you today for the launch of this event, which is so significant in bringing African brothers closer together and in fostering the exchange of services and goods between our respective countries. The regional economic integration of East and West Africa has contributed a lot to move ahead despite the logistical platform that needs to be improved. The COVID crisis that has affected all our countries without exceptions, damaging our economies, has proved to represent an opportunity to do business, and your enthusiasm for Tunisia-Africa e-Business Meeting is another proof of the interest in promoting inter-African trade. Being in the presence of economic operators, journalists and decision makers speaking both French and English, I will try to alternate the two languages for a better understanding of the interventions. And translation is also planned by the organizers for better access to information. Once again, I welcome you and I hope that you will find in Tunisia Africa e-Business Meeting the opportunity to do business. I now invite you to listen to the opening remarks of this event with the address of His Excellency, Mr. Hichem Mchichi, the President of the Government of Tunisia. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As-Sayyid Wazir al-Tijara wa Tanmiyat al-Sadirat, معالي السيدة الأمينة العامة للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي، سعادة السفير مفوض التجارة والصناعة في الاتحاد الإفريقي، السيدة مديرة المعهد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط، السيد الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، السيدة ممثلة وكالة التعاون الألماني. إنه لمن دواعي السرور أن أشارككم اليوم افتتاح لقاءات الأعمال الافتراضية التونسية الإفريقية، وهو أول حدث اقتصادي تونسي إفريقي يتم تنظيمه بطريقة افتراضية بحضور شخصيات من المستوى الأول تمثل مختلف المؤسسات الإقليمية والقارية الإفريقية. وبهذه المناسبة اسمحوا لي أن أتقدم إليكم أصحاب السعادة المشاركين في هذه الجلسة الافتتاحية بخالص عبارات الشكر على تفضلكم بقبول الدعوة للمساهمة في إثراء هذا الحدث الهام
كما أهنئ أعضاء فريق التنظيم على جهودهم المميزة وأشكر وكالة التعاون الألماني بشكل خاص على الدعم المقدم من أجل تنظيم هذه اللقاءات بنجاح. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، يمثل تنوع الشركاء الاقتصاديين توجها استراتيجيا ثابتا للسياسة الاقتصادية لبلادنا، وقد تم تأكيد هذا التوجه بشكل أكبر في ضوء أهداف المرحلة الجديدة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتونس، والتي تتميز بانفتاح أوسع للاقتصاد الوطني على فضائه الإفريقي، حيث تمنح تونس مكانة خاصة لشركائها الأفارقة في إطار السعي إلى إرساء شراكة مربحة للجميع تقوم على تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في جميع القطاعات الاقتصادية وتطوير الاستثمارات. ويهدف هذا النهج الذي يستند إلى الصلات الجغرافية والثقافية والتاريخية التي تربط بلادنا بسائر البلدان الإفريقية الشقيقة والصديقة إلى اتخاذ أشكال متقدمة من التعاون تتماشى مع السياق الاقتصادي العالمي من أجل استكمال عملية التكامل الإفريقي والدخول في مرحلة حاسمة من التكتل والاندماج والتضامن. في هذا السياق تم اتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة إلى خلق ظروف ملائمة لتنمية التعاون والشراكة الاقتصادية والتكامل الإفريقي، من بينها بالخصوص انضمام بلادنا إلى السوق المشتركة لبلدان شرق وجنوب إفريقيا مع بداية السنة الحالية، بما يتيح حرية تامة لتبادل السلع والخدمات بين الدول الأعضاء بالمنطقة. على المستوى القاري ستسمح مفاوضات المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر بتحرير تجارة السلع والخدمات على مستوى القارة، وذلك انطلاقا من غرة جام في 2021. كما ستهتم في مرحلة لاحقة بوضع الإطار القانوني المتعلق بتنسيق سياسات المنافسة والاستثمار والملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية. وكانت تونس من بين البلدان 44 التي وقعت على اتفاقية إنشاء المنطقة القارية في مارس 2018 وصادقت عليها في شهر جويلية 2020. في نفس الإطار تم إطلاق محادثات مع مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قصد وضع إطار أشمل للتعاون يضم إلى جانب تحرير التجارة التعاون في مجال تنسيق سياسات الاستثمار والتعاون الفني. وقبل ذلك تم قبول تونس كعضو مراقب في هذه المجموعة في شهر جوان 2017، كما تم التوصل إلى توقيع على مذكرة تعاون في المجال الاقتصادي ستكون بمثابة الإطار العام لمشاريع التعاون المستقبلية. وبهدف تحسين رؤية الفاعلين الاقتصاديين التونسيين بشأن مزايا الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها بلادنا مع شركائها من بلدان قارتنا الإفريقية، قامت وزارة التجارة وتنمية الصادرات مؤخراً بوضع موقع ويب مخصص بالكامل لهذه الاتفاقيات ولكافة الأحداث والتظاهرات المتصلة بها، إلى جانب إنشاء تطبيقة محمولة خاصة بتحسين التنسيق الداخلي في خصوص المفاوضات والاتفاقيات التجارية مع إفريقيا. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، على الرغم من التطور الملحوظ لتجارة السلع بين تونس وبقية الدول الإفريقية خلال السنوات الأخيرة، فإن مستوى المبادلات لا يزال أقل بكثير من الفرص المتوفرة من الجانبين، وهو ما يتطلب منا جميعا بذل قصارى جهدنا لرفع حجم هذه المبادلات إلى مستوى يليق بالعلاقات المتميزة التي تربط بلداننا. في المقابل تطورت الصادرات الوطنية من الخدمات إلى عدد كبير من البلدان الإفريقية، لا سيما خدمات التعليم العالي والتكوين والخدمات الاستشارية والخدمات الصحية والدراسات والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والمياه والصرف الصحي وتوزيع الكهرباء والأشغال العامة وغيرها من الخدمات، وذلك بفضل الخبرة التونسية المكتسبة في مختلف القطاعات والثقة التي تتمتع بها المؤسسات والكفاءات التونسية في إفريقيا. على المستوى الاستراتيجي وفي ضوء الديناميكية الجديدة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية والتجارية الإفريقية، فإن بلداننا مدعوة إلى الإيمان أكثر بإمكانياتها وقدراتها الذاتية ورفع مستويات ثقتها في نجاح مشاريعها المشتركة، خاصة مشروع المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر. أما على المستوى العملي والميداني فإن هياكل الدعم والإشراف وبالتحديد غرف التجارة والصناعة والمنظمات المهنية والمجتمع المدني مدعوون جميعا إلى تكثيف الجهود وتوحيدها
من أجل الاستغلال الكامل لفرص التعاون المتاحة من خلال برامج ترويجية تستهدف المجالات الواعدة وتستند إلى إجراءات ملموسة. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، إن الظرفية التي أنتجتها جائحة كورونا والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عنها طالت جميع الدول وكافة القطاعات وأفرزت واقعاً وجب التأقلم معه لفترة غير معلومة الأفق، وهي في نفس الوقت وضعية لا تخلو من الفرص يتعين تبينها والاستفادة منها قدر المستطاع من خلال تهيئة المناخ الملائم للاستثمار والمبادرة الفردية للرفع من تنافسية مؤسساتنا وقدرتها على التأقلم مع المتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية، وهو ما سعت إليه تونس خاصة بعد مراجعة مجلة الاستثمار إلى جانب تركيزها على التكنولوجيات الحديثة والحلول المجددة والمبتكرة والتي مكنت من استقطاب المستثمرين من كافة أنحاء العالم. ونأمل أن ترتفع حصة الاستثمار الأجنبي المباشر من داخل القارة الإفريقية. في هذا السياق أود التأكيد مجددا على الدور المحوري لأصحاب الأعمال في إرساء توجه جديد لمسار التعاون التونسي الإفريقي، وثقتي تامة في الإرادة المشتركة التي تحدو الجميع من أجل تعزيز الروابط التجارية وعلاقات التكامل والشراكة بين تونس والبلدان الإفريقية. في نهاية مداخلتي اسمحوا لي أن أجدد شكري مرة أخرى لمنظمي هذا الحدث الهام، وأن أتمنى للجميع التوفيق في أعمالكم. Merci beaucoup monsieur le président et je cède la parole maintenant pour la locution d'ouverture de monsieur Mohamed Boussaïd, le ministre du commerce et du développement de l'exportation. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد الأمين العام للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي الكوميسا، سعادة السفير مفوض التجارة والصناعة في الاتحاد الأفريقي، السيدة مديرة المعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط، السيد الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، السيدة ممثلة وكالة التعاون الألماني جي زد، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أعبر عن خالص شكري لكافة المشاركين في هذه التظاهرة من أصحاب المعالي والسعادة ومن السادة الرؤساء المؤسسات الأفريقية والتونسية، وأتمنى لهم التوفيق في لقاءات الأعمال التي ستنطلق بعد حين، وشكري موصول لوكالة التعاون الألماني لما قدمته من دعم لتنظيم هذا الحدث وعلى ما تقدمه لتونس بصفة عامة. كما أشيد بالعمل والمجهود الذي بذله أعضاء فريق التنظيم بمركز النهوض بالصادرات لإنجاح هذه التظاهرة. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، بكل اعتزاز وتفاؤل نسجل العدد الهام للمؤسسات المشاركة في هذا الحدث الاقتصادي الهام والذي فاق التوقعات من حيث عدد البلدان والمؤسسات المشاركة، وهو ما يترجم الاهتمام الكبير بهذا الحدث الذي سيتيح الفرصة للمتعاملين الاقتصاديين التونسيين ونظرائهم من بقية بلدان قارتنا الأفريقية لإجراء لقاءات على امتداد 3 أيام بغاية استجلاء فرص جديدة للتعاون والشراكة ذات المنفعة المشتركة. إن حصة قارتنا الأفريقية من التجارة العالمية لا تتجاوز نسبة 5%، منها ما يقارب 16% فقط كنسبة للتجارة البينية الأفريقية، وهو ما يدل على أن الإمكانات لا تزال غير مستغلة بشكل كاف بسبب عدم فعالية آليات التكامل والاندماج للبلدان الأفريقية سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي. ولن يبدو هذا المعطى للوهلة الأولى مؤشرا سلبيا، فإنه يخفي فرصة كبيرة للاستفادة من هوامش التعاون الهامة المتاحة التي لم يتم استغلالها والتي تستدعي تضافر جهود الأطراف المتدخلة لتطوير مستويات التجارة البينية وضمان مشاركة أكبر لبلداننا في التجارة العالمية. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، لقد سعت بلادنا إلى دعم علاقاتها السياسية والاقتصادية مع كافة بلدان القارة سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار الاتحاد الأفريقي الذي يمثل الإطار الأمثل للتشاور والتنسيق ويعكس تطلعات شعوبها إلى مزيد من التعاون والتضامن والتكامل. وقد كثفت بلادنا من الجهود بهدف الانخراط في مختلف
المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تعميق الاندماج الإفريقي وتنمية التجارة البينية وفتح المجال للمؤسسات الاقتصادية لتبادل المنافع فيما بينها، وذلك من خلال المشاركة بصفة فعالة في المفاوضات المتعلقة باتفاقية إقامة منطقة تبادل الحر قاريا، وكانت ما بين البلدان الموقعة على هذه الاتفاقية. كما انضمت تونس مع بداية السنة الحالية إلى السوق المشتركة لبلدان شرق وجنوب إفريقيا الكوميسا، مما أتاح حرية تامة لتبادل السلع والخدمات بين الدول الأعضاء بالمنطقة، وساهم في الوصول إلى أسواق جديدة بالقارة. وقد دعمت الحكومة التونسية إطلاق محادثات مع مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا CEDEAO بما يسمح بوضع إطار أشمل للتعاون الاقتصادي والتجاري، ويفسح الطريق للمؤسسات التونسية بتنويع شركائها الأفارقة من كافة البلدان الأعضاء. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، إن ثقتي كبيرة في أن هذه التظاهرة ستكلل بالنجاح وستسمح للمؤسسات المشاركة بعقد صفقات مربحة تأتي بالنفع على اقتصاديات بلدانهم. وفي النهاية اسمحوا لي أن أجدد شكري لجميع المشاركين في هذه التظاهرة الهامة، وأن أتمنى لكم جميعا التوفيق والنجاح في أعمالكم، والسلام. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Boussaïd, ministre du Commerce et du Développement de l'Exportation. Et la parole est donnée maintenant à Monsieur Chieb Ben Ahmed, le président directeur général du CEPEX, le Centre de Promotion des Exportations. Son Excellence, Monsieur Hichem Chichi, chef du gouvernement. Monsieur Mohamed Boussaïd, ministre du Commerce et du Développement des Exportations. Son Excellence, l'ambassadeur Albert Meshinga, commissaire pour le commerce et l'industrie de l'Union africaine. Son Excellence, Madame Chilesh Kapwewe, secrétaire générale de la COMESA. Madame Karima Bounemra, directeur de l'Institut africain pour le développement économique et de la planification. Madame Lisa Menoucha, chef de projet promotion des activités d'export, créatrice d'emplois vers de nouveaux marchés africains et représentante de l'Agence allemande pour la coopération internationale. Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, c'est avec un réel plaisir et un grand honneur que nous vous accueillons virtuellement aujourd'hui dans les Tunisia IF Africa e-Business Meetings, en espérant que cet événement, le premier du genre en Afrique, produira des résultats concrets, tangibles et à la mesure des espoirs et des aspirations des entreprises participantes. Et par là, les aspirations de tout un continent plein d'espoir et d'enthousiasme. Il baptisera en effet des ponts de communication et de coopération économique entre nos pays africains. Je tiens à remercier tous les opérateurs économiques africains qui ont répondu à notre appel et se sont massivement inscrits à cet événement, ce qui témoigne d'un réel intérêt pour instaurer ensemble une nouvelle dynamique d'échange et de complémentarité. Nous saluons vivement les 1000 opérateurs du secteur privé de la Tunisie et des 25 pays d'amis africains qui se sont joints au Tunisia Africa e-Business Meetings. Nous leur souhaitons plein de succès durant les 2000 rendez-vous B2B qu'ils établiront durant les 3 jours. Merci, M. Chieb Ben Ahmed. La parole est donnée maintenant à Mme Lisa Menoucha, chef de projet et promotion des activités d'export, créatrice d'emplois vers de nouveaux marchés africains de l'Agence de coopération technique, la GIZ. Madame, à vous la parole. Bonjour, M. Messissi, chef de gouvernement, M. Boussaïd, ministre du Commerce et du Développement des Exportations, M. le PDG du CEPEX, Mme Bounemra, directrice de l'Institut africain pour le développement économique et de la planification, Votre Excellence, M. Mouchanga, commissionnaire pour le commerce et de l'industrie de l'Union africaine, Votre Excellence, Madame Kapwewe, secrétaire générale de la COMESA, chères entreprises, mesdames et messieurs, au nom de la GIZ, je vous souhaite la bienvenue à la première édition de Tunisia Africa e-Business Meetings. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore la GIZ, nous sommes une agence de mise en œuvre de la coopération allemande au développement et nous travaillons principalement pour le compte du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, le BMZ. Je voudrais vous brièvement présenter le projet PEMA,
un projet financé par le BMZ et mis en œuvre par la GIZ, en collaboration avec le ministère du Commerce, la Tunisie et du Développement des Exportations et le CEPEX. Le PMA, c'est un projet qui vise à améliorer l'accès des PME tunisiennes au marché d'Afrique subsaharienne. Permettez-moi de partager avec vous quelques résultats clés de notre projet. Nous avons créé 4 consortiums d'exportation dans 4 secteurs, des groupes d'entreprises qui vont désormais relever ensemble les défis de l'exportation vers l'Afrique subsaharienne. Premièrement, Tunisia Health Alliance pour le secteur de la santé. Deuxièmement, Tunisia Building Partners dans le secteur du BTP. Troisièmement, Taste Tunisia dans le secteur agroalimentaire. Et enfin, un groupe de travail Afrique au sein du consortium existant GetIT dans le secteur d'éthique. Pour vous donner plus d'idées, certaines de ces entreprises donneront plus tard leur témoignage. Un autre résultat clé du projet PMA était le réseau Think Africa, un réseau regroupant les plus importantes structures de soutien à l'exportation en Tunisie. Jusqu'à maintenant, Think Africa a organisé par exemple 5 roadshows dans 5 marchés cibles du CEPEX en Afrique subsaharienne, la RDC, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Kenya et le Nigeria. Au cours de ces événements de mise en relation, des entreprises d'Afrique subsaharienne ont été mises en contact avec des entreprises tunisiennes ici en Tunisie. Et en fait, l'événement d'aujourd'hui poursuit cet effort sous la forme d'un grand roadshow virtuel. En tant que coopération allemande au développement, nous considérons cet événement comme un grand succès de notre travail commun avec le CEPEX et je félicite toute l'équipe du CEPEX pour cette excellente préparation. On peut voir, les chiffres sont déjà impressionnants. La dernière fois que moi j'ai vérifié, nous avons vu des inscriptions d'entreprises de 25 pays. Rien que cela est déjà un grand succès et je vous en félicite. Je suis très heureux qu'avec cet événement, davantage d'entreprises d'Afrique subsaharienne puissent découvrir la Tunisie, ses excellents produits et services et ses entreprises innovantes. Le pays a beaucoup à offrir et offre de nombreuses opportunités. J'espère que les B2B des 2 prochains jours seront un grand succès et je vous souhaite à tous et toutes un échange fructueux et de bons résultats. Merci messieurs, dames pour ces allocutions d'ouverture et on va rentrer directement dans le vif du sujet avec plusieurs panélistes de grande envergure que je citerai tout à l'heure, que je vous présenterai tout à l'heure. On va discuter ensemble de cette opportunité de travail, de business qu'on pourrait faire ensemble les pays africains et dépasser cette possibilité d'être confiné chacun donc dans son pays avec une ouverture qui ne cesse d'être demandée. Alors pour ce panel-là, 4 interventions. Pour ce panel-là, 4 interventions se relayeront. Je commencerai volontiers avec Sichieb Ben Ahmed, le PDG du CEPEX, pour nous livrer la perspective de commerce et de promotion du commerce et d'industrie et de services du gouvernement tunisien, mais également essentiellement du CEPEX, le fer de lance de ce gouvernement. Puis je céderai la parole donc à son Excellence l'ambassadeur Albert Mouchanga, qui est donc le commissaire de l'industrie et du commerce à l'Union africaine. Ensuite interviendra Madame Chiliché, donc son Excellence Madame Chiliché Kapuipui, la secrétaire générale du COMESA. Après, ça sera au tour de Madame Kerima Benamra, directrice de l'Institut africain pour le développement économique et de développement et de planification, pour nous livrer son impression. Cette session se terminera avec un témoignage de 4 success stories que vous allez découvrir par la suite. Merci Sianis, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, je tiens à adresser mes remerciements aux responsables de la GIZ et notamment du projet PMA, qui est un projet en faveur des initiatives de rapprochement économique et commercial entre les partenaires africains et initié sous le mandat du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement.
et implémentée par la GIZ en coopération avec le ministère du Commerce tunisien et le Centre de promotion des exportations. Mesdames et messieurs, l'organisation de ces rencontres virtuelles, qui réunissent une élite de chefs d'entreprise africains, s'inscrit dans le cadre de la contribution de notre pays aux efforts visant à renforcer l'intégration africaine et à renforcer la coopération Sud-Sud, et à bénéficier de la nouvelle dynamique que connaît notre continent dans le domaine de l'établissement des groupements économiques et d'accords de libre-échange, notamment l'accord continental de libre-échange. Le Tunisia-Africa e-Business Meetings est un concept collaboratif par excellence qui offre un espace d'échange direct à travers des séances et des rencontres professionnelles B2B pour plus de 1000 hommes d'affaires venant de 25 pays de notre cher continent africain. Bien qu'ils soient nombreux et distants, tous les participants pourront communiquer entre eux et tenir des entretiens vidéo sur une seule plateforme électronique dans des secteurs économiques clés pour le développement économique et social et constitue les moteurs de croissance pour l'avenir du continent africain, à l'instar de l'agriculture et les industries alimentaires, les matériaux de construction et les travaux publics, la santé, à savoir l'industrie pharmaceutique, fourniture médicale et services de santé, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, les technologies de l'information et de la communication, les industries mécaniques et électriques. Mesdames et messieurs, le marché africain offre d'importants potentiels inexploités par les entreprises issues du continent. Les indicateurs de coopération entre les pays africains sont faibles. Les échanges commerciaux intra-africains ne dépassent pas 13% de leur commerce total avec le reste du monde et le taux d'exportation intra-africain ne représente que 15% de l'activité totale du continent. Ce qui nécessite de travailler ensemble pour améliorer ces indicateurs en augmentant le volume des échanges entre nos pays africains dans tous les secteurs, ce qui constitue à notre sens un pilier majeur dans le chemin de l'intégration africaine. En effet, et compte tenu de son rôle historique de fédérateur des acteurs africains et conscient de ses enjeux, la Tunisie a privilégié le développement de ses partenariats au sein du continent africain, en adoptant une démarche concrète et opérationnelle avec un objectif de doubler ses flux d'échanges avec les pays africains à travers tout d'abord l'adhésion à la COMESA, ensuite la conclusion de l'accord de l'établissement de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, et l'obtention du statut d'observateur auprès de la CEDEAO. Dans cette dynamique, le Centre de promotion des exportations, CEPEX, a renforcé sa présence directe dans les pays africains avec l'ouverture de 4 nouveaux bureaux à Nairobi, à Kinshasa, à Douala et à Abuja au cours de ces 3 dernières années, et ce, en plus de sa représentation à Abidjan qu'il a lancée depuis 2010, dans l'objectif de provoquer de nouveaux courants d'affaires en mettant à disposition des entreprises africaines des points de relais et de facilitation des échanges entre la Tunisie et les pays africains. Également, d'importantes mesures en faveur du développement des échanges commerciaux avec ces pays ont été prises, telles que l'octroi des avantages spécifiques pour soutenir l'engouement des opérateurs économiques tunisiens vers l'Afrique, ce qui a favorisé la concrétisation des opportunités avec des opérateurs économiques africains. Parallèlement, des soutiens exceptionnels ont été accordés aux entreprises tunisiennes pour surpasser les difficultés logistiques qui pèsent encore sur le rythme des échanges. Par ailleurs, le Centre de promotion des exportations adopte aujourd'hui une nouvelle démarche au sein d'un plan de restructuration orienté vers le développement des exportations et la refonte totale de ses méthodes d'approche et d'accompagnement des entreprises basées sur le renforcement des capacités et le savoir-faire à l'international. Sur le plan opérationnel, le CEPEX consacre aujourd'hui une part très importante de ses programmes et ressources pour le développement des relations de partenariat et d'échanges avec les pays africains. À ce titre, plus de 30% du programme promotionnel annuel est conçu en direction des pays africains à travers des événements de partenariat et de networking avec au moins 10 pays africains annuellement. Mesdames et messieurs, nous avons la ferme conviction que l'intégration des pays africains est le seul moyen capable de concrétiser une réelle mutation économique et sociale comparable à d'autres groupements économiques. Cette fois-ci,
Nous avons défié les distances, dans la mesure où cet événement virtuel a anéanti des milliers de kilomètres de frontières africaines et a offert un espace de dialogue à travers la plus grande marketplace africaine en 2020. Mais nous sommes également conscients que plusieurs défis restent à relever, dont notamment l'adoption de l'approche d'échange communautaire, la mise en pratique des mesures de facilitation du commerce, l'allègement des procédures et l'édification des infrastructures commandaires. Mesdames et messieurs, nous attendons avec grand espoir que les rendez-vous B2B sont fructueux et aboutiront à des résultats positifs win-win et qui consolideront l'approche de partenariat et de coopération économique et commerciale entre nos pays africains et leur apporteront des intérêts et des avantages communs parce que nous croyons toujours qu'acheter et vendre à moindre coût chez les voisins ne peut qu'accroître la richesse de chacun. Je souhaite plein de succès à tous les participants. Merci Sicheb Ben Ahmed pour cette idée que vous nous avez donnée par rapport au travail du CEPEX. Thank you very much Mr. Sicheb Ben Ahmed, CEO of the Tunisian Export Center. It was very interesting listening to what you have developed in this introduction, and we hope that all the plan you made with your team is going to be really done. Maintenant, on va entrer en contact avec son Excellence, l'ambassadeur Albert Mushanga, le commissaire donc de l'industrie et du commerce à l'Union africaine. Now we are going to get touch with His Excellency Ambassador Albert Mushanga, Commissioner of Trade and Industry African Union. We are trying to join him in Ethiopia. Is he with us? Can you hear me, Excellency? Excellency? Excellency Ambassador Albert Mushanga, can you hear me? I think it's not possible to get contact with him, so we're going to switch to Her Excellency Mrs. Chiliche Kapwepwe, Secretary General of the Commissar. Ce n'est pas possible de l'avoir maintenant. On va essayer quand même de réessayer. Vous connaissez un peu donc l'infrastructure, ces considérations, ça fait partie du direct. Et parfois, ça nous cause des agréments donc, techniques. On va essayer tout de même, on va essayer de le prendre tout à l'heure. Je souhaite la bienvenue à Son Excellence, Madame Chiliche Kapwepwe, Secretary General of the COMESA. Alors, je souhaite les bienvenues à Madame Chiliche Kapwepwe, la secrétaire générale de la COMESA, pour son intervention. Madame, bonjour et merci d'être avec nous. Thank you very much for being with us. Your Excellency, Mr. Mechichi, Head of the Tunisian Government, Honorable Mr. Mohamed Boussed, Minister of Trade and Export Development, Excellency Ambassador Albert Mushanga, Commissioner Trade and Industry, African Union Commission, Mrs. Karima Bounmar, Director of the African Institute for Economic Development and Planning, IDEP, representatives of GIZ, ladies and gentlemen. It is my honor to address this business forum, which brings together the business community from across Tunisia and other African countries, including COMESA, where Tunisia is a member. Let me use this opportunity to applaud the government of Tunisia in collaborating with GIZ for organizing this event. It provides an opportunity to reflect on the challenges and opportunities we now face. The meeting is timely and consistent with the evolving new normal of adopting technological solutions for business in the environment dictated by the COVID-19 pandemic. COMESA is cognizant of the numerous and significant changes that the pandemic has imposed on our lives, including the way we do business, and most importantly, the negative impact it has on trade, investment, and integration in our region. Your Excellency, it is therefore encouraging to know that in response, businesses are embracing modern technologies to sustain growth and circumvent
the effects of the pandemic. The number of Tunisian and other African companies participating in this event is testament to the appropriateness of the event. The objectives of this forum are well aligned with the vision of COMESA, which is the largest economic bloc on the African continent, which was formed in 1994 to fast-track the integration process initiated under the preferential trade area to deliver a common market. This is being achieved by adopting common policies and promoting joint programming to sustain sustainable growth and development. This process led to the establishment of the COMESA Free Trade Area in 2000. It is the largest operational FTA on the African continent, with a population of 583 million people, a GDP of US$768 billion, and the global trade of goods of US$343 billion. COMESA is a huge and growing market that is fully open for Tunisian businesses. The COMESA FTA paved the way for the tripartite free trade area, bringing together COMESA, the East African Community EAC, and the Southern African Development Community SADC. The tripartite is a $3.3 trillion market, which is 56% of Africa's GDP and 740 million consumers in 29 countries. The tripartite thus forms a critical mass of the African continental free trade area. Indeed, we look forward to the commencement of the trading under the continental FTA next year. Your Excellency, ladies and gentlemen, this business forum is therefore important as it takes place in the middle of a COVID-19 pandemic and seeks to build on the work in progress. It provides a platform to find solutions to emerging challenges, including sharing information, networking and matchmaking, and ultimately creating business opportunities, investment and employment. The COVID-19 pandemic and others before it taught us many things, especially that solidarity, protecting and caring for one another saves lives. This lesson is also applicable to countries and regional economic communities where collaboration makes for a better and healthier business environment. COMESA recognizes the effects of restrictive measures that have been introduced by member states to mitigate the spread of the COVID-19 pandemic. Amidst these restrictions, trade has obviously been affected. Thanks to the quick action of digital technologies, it has been possible to continue operating, and this forum is a testimony to the determination that we must all carry on. In May, our Council of Ministers adopted a set of guidelines to facilitate free movement of goods and services across the COMESA region during the COVID-19 pandemic. We are getting positive feedback from the private sector and other stakeholders on the effectiveness of these measures. For instance, there has been remarkable improvement in customer border management following better coordination of activities with reduced queues at border posts. Further support is needed to come up with innovations in e-commerce, single window platforms, establishing stable and reliable internet connectivity, streamlining regulations, improving access to finance infrastructure development, amongst others. Promotion of new investments in sectors with potential of growth, such as health, ICT, value chains, manufacturing, and tourism, are necessary to ensure quick and sustainable recovery under the COVID-19 environment. I'm encouraged to note that these are the sectors which I prioritized during this forum. Ladies and gentlemen, COMESA has other initiatives such as the 50 million African Women Speak digital platform, which brings together 38 African countries on a single digital platform to support women entrepreneurs. Furthermore, the platform enables women to network with each other locally and across countries. The women of Tunisia, therefore, should not be left behind, as they should know about this platform and use it to enhance their access to information on available business opportunities. The launching of the 50 million African Women Speak platform in Tunisia
was planned for October, but due to a second wave of COVID-19, it has been postponed to December, and we look forward for the launch of the platform in Tunisia. In conclusion, I would like to stress that more reforms and investments are required for the region to reap the full benefits of digital technologies in business. I want to underscore our commitment as COMESA to support and collaborate with all stakeholders to ensure that this happens, as this is key to sustainable economic growth and development of our region. Alors, Madame Kapuipui a commencé par mettre l'action sur l'impact de la COVID sur les échanges commerciaux entre les pays. Son Excellence met également l'accent sur le changement des habitudes des investisseurs avec l'adoption de solutions digitales pour faire du business, et elle considère que l'important, donc, de l'importance que les investisseurs donnent à cet événement, l'engouement de ces investisseurs est une illustration de ses propos. Alors, Son Excellence rappelle la date de 1994 comme début de mise en place du COMESA, et la date de l'an 2000 comme entrée effective et en vigueur de l'intégration économique pour promouvoir le commerce et l'investissement entre les pays d'Afrique orientale et australe. C'est un marché, elle considère que c'est un marché de plus que 580 millions de consommateurs, avec un PIB cumulé de 760 milliards de dollars, avec des échanges commerciaux de 343 milliards de dollars, et elle considère qu'avec d'autres intégrations géographiques limitrophes, la COMESA a une force de frappe assez importante pour que les investisseurs tunisiens peuvent exploiter. Elle considère qu'actuellement, elle cherche à faire profiter du changement de la cartographie des chaînes de valeur mondiales en essayant de promouvoir beaucoup de secteurs porteurs tels que l'industrie pharmaceutique et l'éthique notamment. Et pour terminer, elle considère que le COMESA a lancé une plateforme pour 50 millions de femmes africaines et qu'elle cherche donc à mettre cette plateforme en œuvre en Tunisie après avoir lancé dans plusieurs pays. Excellence, Madame Chiliché Kapuipui, secrétaire générale du COMESA, merci beaucoup, merci pour votre intervention. Her Excellency, Mrs. Chiliché Kapuipui, thank you very much, Secretary General of the COMESA. Thank you very much for being with us, and we hope for the COMESA more prosperity and wealth. Thank you very much. Goodbye. I thank you for your attention. Je vous remercie. Shukran. La panéliste suivante n'est autre que Madame Karima Bounemra Ben Sultan, directrice de l'Institut africain de développement économique et de planification, une institution créée en 1962 par l'Assemblée générale des Nations unies et qui sert à renforcer les capacités de ressources humaines des pays africains. Now we are going to listen to Mrs. Karima Bounemra, who is the director of the African Institute for Economy, Development and Planning, which is a Pan-African UN institution launched in 1962. Madame Karima Bounemra, à vous la parole. Good morning or afternoon, ladies and gentlemen, depending on where you are. Greetings to all participants and warm thanks to the organizers who have invited me to give few remarks during this opening session. For the last 9 months, ladies and gentlemen, the whole world has been struggling with the COVID-19 pandemic, which has negatively impacted all the countries at the level of the social and economic development. For us in Africa, it has come as a wake-up call to reconfirm that we need to strengthen our resilience and limit our vulnerability to external factors. Solutions are to be found to relaunch our economies and protect our populations for a better future. Solution can come from within. We are convinced of that. Solutions that can be built in a cooperative manner, this is urgent. In this regard, the African Continental Free Trade Area represents an opportunity to be seized, and seized urgently.
Even if the start of the trading under the AfCFTA, which was scheduled for July 2020, is now rescheduled for January 2021 owing to COVID-19 distortion, we have to prepare ourselves for it adequately. Why is it so? Our analysis shows that the AfCFTA can consolidate Africa into $2.3 trillion market of 1.3 billion people. Of course, Africa is a big market, but it is fragmented into small pieces with 20 countries with less than 10 million population and only 10 with more than 30 million. Trade is frustrated by 107 unique land borders between 54 states. Rules diverge across countries. Regulatory standards, competition, investment, intellectual property rights, services, making the scaling of business across borders quite difficult. What AfCFTA offers is to create new market opportunities, scale economies, improved competition, and certainly lower business costs. In our countries, ladies and gentlemen, industrialization and investments in industry are still limited. When we look at the exports outside Africa, 70% of them come from extractive industry, and they represent 40% for exports within the continent. Therefore, boosting African industrial trade, today more than ever, becomes an imperative. With the launch of the AfCFTA, intra-African exports would decrease the most for industrial products, with gains ranging between around 20%, representing 36.1 billion, and almost 30%, or 43.3 billion, under low ambition scenario and high ambition scenario. The top 10 sectors that would benefit and see the largest increases in exports are vehicles and transport equipment, energy, metals, machinery, chemical products, sugar, other food products, wood and paper, milk and dairy, and textiles. These are underestimates as they do not include the benefits from services liberalization. Priority service sector for liberalization are financial services, communication, transport, tourism, and business services. LDCs, and we have a lot in Africa, are estimated to have the greatest forecast boost to industrial exports within AfCFTA. Preparing for AfCFTA requires that we address long-standing trade facilitation challenges. Indeed, studies show that on average, the cost of transportation in Africa are 60% higher compared to the average in developed economies and 130% higher than in Europe. The average cost of freight as percentage of total value of imports is around 11.3% compared to 6.8% for developed countries, according to Afrexim Bank 2020 figures. According to Audenepad Agency, the average custom transaction in Africa involves 20 to 30 different parties, 40 documents, 200 data elements, and the requiring of 60-70% of all data at least once. The typical multiplicity of government agencies operating on both sides of the same border doubles the bureaucracy at border posts and results in significant congestions and delays. It is estimated that cumbersome procedures entailed in custom procedures can cost a consignment about $185 for each day of delay. Ladies and gentlemen, it is also critical
with the AfCFTA to consolidate Africa's position against mega-regional trade agreements, protectionism that we are seeing more and more, new trade issues, and post-AGOA negotiation for countries who are concerned with that. With COVID, fortunately, we have witnessed Africa's capacity to innovate and adapt. In addition to the example we have in Tunisia, and there are many, let me mention N95 masks that South Africa UMask redirected production from protective masks from mining and agriculture companies to medical masks, testing kits in countries like Ghana, Senegal, Uganda, Kenya, South Africa, who have all innovative low-cost rapid testing kits undergoing trials, prototyping, or even manufacturing. Hand sanitizers have been produced in a number of countries. For example, Ethiopian government is working with Sanshenk Pharmaceutical in this regard. Ventilators and the use of 3D printers sometimes to build them. And South Africa is to produce 10,000 by the end of June. So because we are in Tunisia, I wanted also to stress the importance of setting the ground for African regional e-commerce. Indeed, we are in a country, Tunisia, that is pioneer in the use of digital transformation and digital technology for development. And I think that it is very important that we also build on the capacity of e-commerce to relaunch our economies. Ladies and gentlemen, to support all this process, a prerequisite is for our countries to strengthen their human and institutional capacity. IDEP, the Institute for Economic Development and Planning, which is the institute I'm leading, offers training courses on a variety of issues, among which trade policies and negotiation, gender and trade, trade modeling, mobilization of domestic resources, to finance the development, etc., etc. And you are all welcome to join us in attending those courses. Some of them are on site, others are online. And please visit our website and you will see call for application for the courses. Finally, ladies and gentlemen, I would like to congratulate Tunisia Exports for this initiative, bringing together representatives from the private sector to identify joint business opportunities. I'm convinced that building a successful and vibrant AfCFTA cannot be realized without the full implication of a vibrant private sector. A vibrant private sector which cooperates regionally, creates business opportunities, creates regional value chains, and boosts intra-African trade. To end, I wish you fruitful deliberation and exchanges, and I thank you very much for your kind attention. Merci beaucoup, Madame Karima Bounemra Ben Sultan. Merci pour cette intervention. Thank you very much. Alors, pour récapituler un peu, hein, donc ce qu'a dit Madame Karima Bounemra, elle considère que la zone de libre-échange continentale africaine, dont le lancement a été reporté pour le mois de janvier 2021, permettra aux Africains de bénéficier d'un marché de 1,3 milliard de consommateurs. C'est un marché qui pèse ou qui pèsera 2,3 trillions de dollars. Seul bémol, c'est un marché qui est fragmenté en raison de pays avec des petits marchés. Elle considère qu'il y a également d'autres difficultés qui seront surmontées avec l'entrée en vigueur de la ZLECAF. Par exemple, le commerce frontalier est très peu développé en raison de seulement 107 zones frontalières pour 54 pays. Elle estime que c'est trop peu. Elle considère également que la ZLECAF est une opportunité pour contrecarrer toutes ces difficultés. Madame Bounemra fait un focus sur l'industrie et considère qu'avec la ZLECAF, l'industrie africaine connaîtra un boost de 25%. Elle pointe les secteurs des équipements automobiles, des industries manufacturières et extractives, des industries chimiques, de l'agroalimentaire et le textile comme des secteurs
très porteur qui connaîtra certainement une évolution avec l'entrée en vigueur de la Zleka. Elle considère, pour terminer, que le coût de la logistique est très important en Afrique comparé aux autres intégrations économiques et que l'entrée en vigueur de la Zleka abaissera certainement ce taux. Elle fait aussi un focus sur la résilience de certaines économies africaines, avec notamment leur adaptation par rapport à la crise Covid. Elle considère que des pays comme la Tunisie, comme l'Afrique du Sud, comme le Ghana, ont pu tirer leur épingle du jeu en se mettant sur la nouvelle chaîne, la nouvelle carte géographique donc des chaînes de valeur. La Tunisie est en train d'exporter les bavettes, est en train d'exporter énormément de produits de textiles. L'Afrique du Sud est également en train de produire des ventilateurs, et vous connaissez l'importance des ventilateurs. D'autres pays sont en train de faire énormément d'efforts et de se positionner sur ces créneaux très porteurs avec la Covid. Madame Kerima Bounemra Ben Sultan, donc la directrice de l'Institut africain de développement économique et de planification, merci beaucoup de votre participation avec nous aujourd'hui. Thank you. Merci beaucoup à nos chers panélistes. Merci pour ces interventions très pertinentes à nous donner une idée par rapport à la résilience de l'économie africaine, le business africain et la possibilité de son développement avec les intégrations géographiques très très importantes, qu'elles soient de l'Est, de l'Ouest, du Sud, également de l'Afrique. Merci beaucoup et je vous invite actuellement à regarder cette vidéo très intéressante de 4 success stories tunisiennes que vous allez découvrir tour à tour des Tunisiens qui ont fait du business et qui ont réussi. Ladies and gentlemen, I welcome you to this prestigious meeting. My name is Atef Sanoni. I'm the president of the consortium TBB, Tunisia Building Partners, which was created 1 year ago within the program PEMA, which has the objective of enhancing the accessibility for Tunisian companies toward the sub-Saharan markets. Our consortium, as its name tells, is about building application and constituted by 12 companies which are active in such domain like ready to use concrete, kitchen and bathroom fittings, aluminium solutions, electrical component, lighting, architectural design, and many other activities. The objective of this consortium is, of course, to assure and enhance the accessibility and presence of each of the member within common activities like prospection being established locally in some market in order to get leads and opportunities and go toward concretization to export operations. The work within this consortium is something new for us. Some of the member didn't know each other before, and but we learned to work together and to create synergy and common interest toward the said objectives. Some support organization like JEZ, like CEPEX and many others supported us, and we sent toward them the best regards and best thanks, because creating such a consortium is not an easy matter. So our objective is Africa, and despite this world sanitary crisis, we are motivated to continue this nice experience in order to achieve our objectives. Ladies and gentlemen, I thank you very much. I wish you a very nice e-meeting. Stay safe and healthy, and hope to see you face to face in the near future. Thank you very much. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Raz Darous. Je suis président de Tunisia Health Alliance, THA. Notre groupement est une initiative lancée en avril 2018 dans le cadre du projet PEMA, initié sous le mandat du ministère allemand de la coopération BMZ et implémenté par le GIZ en collaboration avec le CEPEX. Les entreprises constituant ce groupement opèrent sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la santé en Tunisie, c'est-à-dire l'industrie pharmaceutique, les dispositifs médicaux, les services de soins, la formation et les technologies de la santé.
Cette collaboration inter-entreprise vise à proposer une offre intégrée, une offre globale, impactante, répondant efficacement aux opportunités à l'export en général et plus spécifiquement au marché africain. THA a concentré ses efforts dans un premier temps sur des activités stratégiques de création de ce consortium. Premièrement, nous nous sommes étalés au renforcement de la collaboration intermembre ainsi que à la mise en place d'un modèle de gouvernance viable dans le temps. Deuxièmement, nous avons développé des partenariats ciblés, comme par exemple notre partenariat avec le consortium allemand German Health Alliance, mais aussi la Fédération africaine de la santé basée à Nairobi au Kenya. Bonjour, je suis Ahmed Amar, président de Getati. Getati est un groupement inter-économique tunisien, regroupant aujourd'hui plus de 19 entreprises, plus de 2500 consultants IT et totalisant un chiffre d'affaires pour l'ensemble des entreprises membres de plus que 40 millions d'euros qui est en grande majorité à l'export. Getati a pour vocation d'aider ces entreprises membres de faire de l'export pour le continent africain, européen, américain et asiatique. Les entreprises membres sont des sociétés IT qui sont complémentaires et parfois concurrentes. Ils couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur des data centers jusqu'à l'exploitation des projets chez le client, tout en passant par le volet de la sécurité, pour le volet maîtrise d'ouvrage et assistance maîtrise d'ouvrage, de l'expertise, des développements logiciels spécifiques, de l'intégration de logiciels, de la tierce maintenance applicative, de l'intégration, du data science, de l'intelligence artificielle et pas mal d'autres couvertures fonctionnelles. Ces entreprises membres travaillent pour plus qu'une dizaine de secteurs d'activité, à citer essentiellement le secteur bancaire, banque, assurance, leasing, le secteur télécom, le secteur de la santé, de l'énergie, de l'industrie, du transport, du tourisme et plein d'autres secteurs. La réussite de Getati, qui a été créée maintenant de plus que 16 ans, c'est une réussite pour ces entreprises membres qui ont vu leur chiffre d'affaires augmenter avec plusieurs sujets d'export. Depuis sa création, Getati a permis à ses entreprises membres de nouer des relations et des partenariats avec des centaines d'intervenants et elle a pu générer plus que des centaines de générations ou lead generation sont des opportunités d'affaires qui en grande partie qui a été concrétisée par leur entreprise, par les entreprises membres. Ce success story, elle est basée par une bonne synergie entre ses dirigeants, un bon retour d'expérience, du savoir-faire partagé et avec une entraide pour mieux commercialiser leurs produits. Voilà Getati. Merci à vous tous. Bonjour et bienvenue à nos plus de 800 invités et partenaires venant d'une quinzaine de pays de notre cher continent. Je m'appelle Mokhtar Zanat, je suis le président du cluster Taste Tunisia, dont je vais vous parler brièvement. Je voudrais tout d'abord donner un état des lieux sans trop m'étaler sur les chiffres qu'on peut tous trouver sur Google. Le continent africain est le continent de toutes les ambitions et de toutes les convoitises. Et pourtant, le commerce intra-africain représente à peine 17%, dont seuls 3 à 4% sont des produits agricoles et agroalimentaires. Pour enfoncer le clou, je voudrais rappeler que les échanges intra-européens dépassent les 67%. De plus, l'Afrique s'échange principalement des produits de rente tels que le cacao, les fruits, le café, le thé et les épices.
C'est là qu'est tout le challenge pour un continent qui possède, rappelons-le, 70% des terres arables mondiales. Il faut nettement augmenter les échanges entre pays africains et surtout améliorer la chaîne de valeur. C'est là l'ambition de notre cluster Taste Tunisia. Il s'agit d'un groupement de sociétés tunisiennes, leaders dans leur domaine, qui couvre une large part de la filière agroalimentaire et des activités annexes. Nous pouvons, par exemple, proposer des céréales et dérivés, des préparations fromagères et des snacks, des huiles, des conserves de poissons et des nutriments pour l'aquaculture, des produits prêts à consommer, des produits frais, mais également des équipements spécifiques, tels que des chambres froides, des lignes de manutention des produits alimentaires ou les solutions de valorisation des déchets et des rebuts alimentaires. Vous aurez à la fin de la vidéo le lien vers nos pages de réseaux sociaux pour avoir plus de détails. Cette polyvalence et la complémentarité de nos métiers fait notre force et nous comptons en toute modestie proposer nos produits et nos expertises pour un win-win sud-sud. 2020 est une année à mettre entre parenthèses, mais nous avons pour 2021 un programme de partenariat ambitieux. Nous comptons organiser des rencontres, des roadshows, une implantation physique dans l'un des 5 pays initialement choisis pour 2021, peut-être même un investissement industriel si le Covid veut bien nous laisser tranquilles. Je vous invite à nous rejoindre pour cette belle aventure. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite plein succès pour vos travaux et vos rencontres B2B virtuelles. Merci. Mesdames et messieurs, nos chers suiveurs, tous ceux qui sont joints à nous pour apprécier, pour vivre donc cette première journée de Tunisia Africa e-Business Meeting, merci infiniment de votre attention, de votre présence avec nous. Je vous invite à vous connecter sur la plateforme dédiée pour les séances de B2B qui vont être là à partir de 11h heure tunisienne. Vous êtes inscrit, vous pouvez directement retrouver vos partenaires, ceux avec qui peut-être vous allez faire du business. Merci beaucoup, merci d'avoir été là, merci d'avoir été des nôtres et bienvenue encore une fois pour le Tunisia Africa e-Business Meeting. On souhaite de vous retrouver très très bientôt. Au revoir. Thank you very much, ladies and gentlemen, for being with us in Tunisia Africa e-Business Meeting. I would like to remember you that the B2B sessions will begin at 11 a.m. Just right now. You just have to enter in the platform and to get in touch with the rendezvous you got with different businessmen with whom you're going to get touch. Thank you very much for being with us and hope to see you once again. Bye.